L'art c'est de la merde, et puis ça sert à rien. Que tu sois peintre, artiste ou bien musicien, ça a clairement pas d'utilité. Perdre son temps en futilité, danser, chanter, me fait pas rigoler. Tout ça, c'est pas les vrais métiers. L'art c'est de la merde, et puis ça sert à rien. Que tu sois auteur, danseur ou bien comédien, vous passez autant à rien branler et dire que vous êtes payé, j'en suis certain moi. Vous faites des petites journées. Oh, travail c'est chiant, on n'est pas censé s'amuser. L'art c'est de la merde, et puis ça sert à rien. Que tu sois ingé son light ou bien plasticien, tu crois que je vois pas clair dans tout ça? Je vois bien que c'est tout le temps la fiesta. C'est pas du taf dans ces conditions là. Wop 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 wop. Désolé, mais un vrai travail on l'aime pas. Vu que c'est de la merde, bah on va s'en délester. Plus de musique à ton mariage, plus de DJ dans aucune salle. Oublie les films au cinéma, le théâtre t'en reverra pas. Y'a aucune peinture sur ton mur, eh ouais y'a plus rien, t'es juste un mur. Enlève toutes les décos chez toi, ah ben c'est de l'art, nous en veux pas. Dans ta bagnole, plus de radio, plus de chanteurs dans le métro. Souvenir au cirque avec papy, eh ben y'a plus de cirque alors tant pis. Plus de concerts, plus de festivals, exit tout ce qui te maintient le moral. T'as pas besoin d'activité, contente-toi juste de bosser. L'art c'est de la merde, et c'est partiellement vrai. Car t'as aucune idée de ce qu'on peut en chier. C'est un job de passionné, t'as intérêt à t'accrocher. Horaires décalés et journées surchargées, montagne de taf à boucler à côté. C'est clair qu'on est des gros feignants, je m'en rends tellement plus compte maintenant. Viens donc tester et tu pourras critiquer. Viens donc tester et tu pourras critiquer. L'art c'est de la merde, enfin seulement pour certains. Moi je pense pas ça parce que c'est mon quotidien. L'art c'est de la merde, enfin seulement pour certains. Moi je pense pas ça parce que c'est mon quotidien. Moi je pense pas ça, bah parce que c'est mon quotidien.